parents étaient très entrepreneurs, ils travaillaient dans mes mains. Et ma sœur qui m'élevait, qui avait 10 ans de plus que moi, 24 ans, et décidé d'un accident de voiture et perdre un enfant, je pense que c'est la chose la plus terrible qui peut arriver à une femme. Et moi, le petit garçon qui est au milieu, qui dit « mais j'existe ». Et à 17 ans, je bascule au rugby. Et je commence ce sport et je trouve des émotions très fortes. Je me fais des copains assez vite et puis... canaliser ma colère. C'est-à-dire la mettre au service d'un collectif qui était très fort. Quand on perd quelqu'un, on se sent terriblement seul. Et pourtant d'être entouré, mais... au plus profond de son âme, au fond de nous-mêmes, on est seul. La culpabilité de pourquoi elle et pas moi. Je pense qu'au rugby ou dans le sport, quand on est sur un terrain, voilà, pour être grand, il faut être tout petit. Mais pour être un grand, il faut être tout petit, il faut se renvoyer à l'humilité tous les jours. À se mettre en danger pour quelque chose et puis on n'est pas tout seul. Ces blagues arrivent en bus et descendent, ils avaient tous le costume noir, les lunettes noires. Oh, on doit se faire exploser, on doit se faire mâcher. Et nous, petits Français, on arrive avec nos petits sacs. Et là, les blagues font le haka. On se réunit au milieu de Toukéna et là, on chante la Marseillaise. Et je me dis, j'y étais. Pour beaucoup de plaisir, beaucoup de... C'est des choses qui étaient très fortes. Et là, je retrouve une vie, quelque part. Il y a des 65 fois, le mec de la République de France. C'était un grand mec. Il voulait plus vivre. C'est comme ça. Un pack de 6 Old Milwaukee ou Lone Star, j'ai des goûts simples.